BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon Antoine, autant c'est la fête sur les marchés financiers, autant sur les cryptos, c'est toujours le coup de mou. Oui, on a même l'impression qu'on est allé prendre quelques profits sur les cryptos pour aller jouer sur les actions, puisque le Bitcoin n'arrive pas à rebondir. On continue de descendre en direction des 51-50 000 dollars. L'Ether, même chose, on n'a pas tenu les 3 000, direction les derniers supports. Puis l'XRP qui a l'air de vouloir rejoindre les 50 cents. Seul Cardano résiste un petit peu mieux du côté des 60. Et Antoine, ce matin, gros plan sur l'IPO du réseau social Reddit. Ça a été annoncé hier soir à Wall Street. Ça pourrait bien coïncider avec un coup de force du côté des cryptos. Mais oui, ça risque d'être d'ailleurs une des introductions les plus enthousiasmantes de la tech américaine cette année, des années qu'on l'attend, et la bourse a de l'appétit pour ce genre d'objet. Elle veut sa part du gâteau de la dynamique communautaire des réseaux sociaux et de leur impact sur le marché pub et sur celui des données. Et avec Reddit, on est en plein dedans, hein, puisque le réseau est axé vraiment sur les forums de discussion, mais ça pourrait avoir une forte résonance crypto. Il faut savoir que Reddit avait édité une crypto, un token maison baptisé Moon, et qui était au centre, il y a quelques années, d'un système de récompense pour les abonnés au site afin de les inciter à interagir, à commenter. Et puis, pas trop de succès, truc un peu compliqué à évaluer, pas assez de valeur créée. Reddit avait plié les Gaules et cédé cette toute petite crypto à d'autres investisseurs. Elle cote encore, mais bon, c'est anecdotique. En revanche, Reddit l'a dit et l'a annoncé en même temps que son IPO. Le groupe a utilisé une partie de son excédent de trésorerie pour acheter des bitcoins, des Ether et des Polygon. Et va continuer à le faire tout en révélant des investissements dans la blockchain aussi pour expérimenter des transactions concernant des actifs virtuels. Et là, c'est très intéressant parce que du coup, on remet le couvert, mais avec des cryptos réputés, connus et liquides. Est-ce que Reddit n'a pas l'intention de coiffer au poteau Facebook et X en devenant le premier réseau social qui va permettre aussi à ses usagers de faire directement des transactions et des paiements en crypto? En tout cas, c'est à suivre au vu, encore une fois, de l'impact que ça peut avoir et au vu du caractère vraiment multicommunautaire de Reddit et des dynamiques vraiment virales que ça implique. Merci Antoine.